Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippy, la chaîne des aventures vidéoludiques. J'espère que vous allez bien. Bah voilà, on se retrouve du coup aujourd'hui pour continuer Gotham Knights. Voilà, ce qu'on va faire sur cette session, on va se concentrer sur la mission annexe là qui se passe à Star Lab. Et puis on va voir combien de temps elle prend. Si elle est un peu courte, on finira du coup par faire un peu des courses. Des différents persos, à part Nightwing parce que lui il me saoule, on verra ça plus tard. Mais au moins faire les courses des trois autres persos, quoi. Voilà. Bref. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, du coup c'est ça, cambriolage à Star Labs. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Richard, ça semble inévitable. Parler à David. Fabriquer une arme de corps à corps. Je peux en fabriquer une avec elle. Non. Du coup, je sais pas si je prends pas de gain. Ouais, allez, on va continuer avec Batgirl. Tu connais le dernier film de Gueule d'Argile? Non. Il a eu un succès fracassant. Alors, hop. Beffroi, je suis devant Star Labs. Tout le bâtiment est bouclé. Ils doivent faire de la maintenance. Ça expliquerait comment ils sont entrés. Cherche si tu peux trouver une entrée. J'ai réussi à infiltrer Star Labs. Je vous préviens si j'ai quelque chose. Remue-toi un peu. Les scientifiques sont dans un sacré pétrin. Le client avait raison. C'est une mine d'or, ce serveur. Si seulement on avait plus de temps. Il y a quelque chose qui bouge. Extinction des feux. Ce sera pour une autre fois. Ouais, en tout cas, ils sont bien faibles. Une mission que j'aurais peut-être dû faire un peu avant, mais ah, comme ça. On la terminera rapidement. La sécurité est encore en route. Les régulateurs semblent avoir piraté le système afin de viser ceux qui n'ont pas leur équipement. Ça signifie que tu seras leur cible. Fais gaffe. Ils volent toutes les données sur les serveurs. Je one-shot les ennemis, c'est magnifique. Ah,
Ah merde, j'avais pas vu qu'il fallait faire des émulations silencieuses. Ah là là. Bref, c'est grave. Ça devrait être utile. Merde! Encore ces conduits! Refroidissent les serveurs. On pompe trop de données. Il y a tout qui surchauffe. C'est quoi ça? C'est l'heure de la sieste. Ça doit faire mal. Alors, note de recherche de Star Labs. Après 119 heures de test, nous sommes toujours incapables de séquencer l'ADN du sujet AC-1938. L'outil au graphène, le laser à excimère, tous ont échoué à pénétrer le tissu des racines capillaires. Si nous avions plus de métal K, nous pourrions prélever un échantillon suffisant pour la synthèse. Sans ça, ce projet est vain. Tout dépend maintenant de l'angle Cadmus. Il parle du sujet là, je me demande si c'est pas Mr. Fay du coup. C'est la salle de sécurité. Je peux m'en servir pour identifier leurs clients. Alors, classeur des protocoles de confinement. En cas d'urgence, comme la fuite d'un parasite, le mauvais fonctionnement d'un portail interdimensionnel ou l'instabilité d'une étoile naine, il est crucial de suivre les instructions ici présentes. Veuillez vous référer à la table des matières pour trouver le protocole d'urgence adéquat selon la gravité de l'événement et son origine dimensionnelle.
fais de beaux rêves. Bon, c'est bon, l'autre m'a pas détecté. Je t'ai eu. Ouais, parfait. Voilà, c'était plus que l'autre là-bas au fond. Surprise. Alors, apparemment, il y avait d'autres trucs à lire, je crois. Non. On va aller voir la console, du coup. Ici. On dirait que c'est lui qui a embauché les régulateurs. Avec Freeze impliqué, mieux vaut s'attendre au pire. Ouais. On va être content de te revoir à Blackgate. Freeze est passé par ici, c'est sûr. Au moins, il sera facile à suivre. Ouais, les scientifiques, ils ont été gelés. Il y a du cryogel partout. Sa combi doit avoir une fuite. Matez un peu mes nouveaux jouets. Je vous présente Copain Pigeon et le merveilleux Piu Piu. Avec ces drones, on inaugure une nouvelle génération de douleurs à distance. Sacré Freeze, il s'y connaît pour jeter un froid, suivant la piste. Tu sais, je t'ai vu venir de loin. Ils sont vraiment trop faibles. Cet endroit ne faisait pas le poids contre la tenue de Freeze.
Qu'est-ce que c'était ? Ouais, du coup, le sujet, c'est peut-être pas Mr. Freeze, c'est peut-être sa femme. Trouvons Freeze. Freeze doit être quelque part au-dessus de cette pièce. Prenez bien tout. Je crois que son prénom à sa femme c'est Nora. Il me semble que c'est ça. Un labo de recherche énergétique, mais pas de scientifique en vue. Ils sont bien là, scientifiques. Qu'un de ses protégés finirait par venir. Désolé, Freeze. Tes acolytes vont devoir faire une croix sur l'alliage des toiles naines. Peu importe, je ne me mêle pas de ce que font mes associés. J'ai ce que je suis venu chercher. Alors tu parles de quoi ? Qu'est-ce qui peut valoir le coup d'avoir tué tous ces gens ? Mon temps est trop précieux. Pas question de le gâcher en vous adressant la parole. Système au halon compromis. Veuillez évacuer la zone. On va manquer d'oxygène, au secours! Le canon électrique! Je dois éliminer les régulateurs avant de libérer les scientifiques. Le labo est fermé. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Je dois pouvoir repositionner le canon électrique. Être assez puissant pour ouvrir la porte.
Ne me dis pas que t'as eu ton diplôme de criminel. T'aurais dû esquiver. Ouais, je vais te calmer en deux secondes. Hein. Voilà, fais le dos. Avec Batman, on s'est déjà parlé. Heureusement que vous étiez là. On a reçu votre appel. Il a pris tout notre cryogel. Assez pour épuiser l'énergie thermique de Gotham. Trois fois de suite. Et geler la ville entière. Nous, on doit s'occuper de Freeze. Restez ici jusqu'à l'arrivée du GCPD et racontez-leur ce qui s'est passé. D'accord. Et merci. Merci. Voilà, première partie terminée. Et cambriolage à Star Lab. Bon ben... Lol. M'explique maintenant les effets élémentaires, mais je suis au courant les mecs. Un nouveau type de crime. De proximité. Les mines de proximité explosent lorsqu'elles détectent une cible proche. Elles peuvent être détruites avec des attaques à distance. Batgirl peut utiliser ses capacités de piratage à distance pour neutraliser une mine. La capacité surcharge pirate permet à Batgirl de faire exploser une mine lorsqu'un ennemi passe à proximité. Les tourelles, les héros peuvent désactiver les tourelles sans se faire repérer. Putain, je suis en train de me faire taper la gueule. Ouais, par ces cons du GCPD. Vas-y, lâchez-moi là. Votre boulot et en plus vous m'avez pété la gueule quoi, la blague. Ouais bon les tourelles c'est les tourelles. Malfra, Mr. Freeze. Victor Fries est un scientifique brillant dans une situation malheureuse qui le contraint à garder son corps à des températures négatives. En tant que Mr. Freeze, c'est l'un de mes plus anciens adversaires. Longtemps, il a promis qu'il se rachèterait une fois un antidote trouvé pour soigner son épouse Nora. Cependant, lorsque cette dernière, une fois guérie, a découvert les atrocités que son mari avait commises afin de la sauver, elle l'a rejetée. Aujourd'hui, Fry semble suivre un chemin très sombre. Je travaille au développement d'un antidote contre sa pathologie, mais s'il n'accepte pas la responsabilité de ses actes, il ne sera jamais vraiment guéri. Ouais, les copies, les homonculus,
homoncule d'argile. Humanoïde d'argile qui grouille dans les égouts de Gotham. Ces sbires gluants font aussi partie de l'équipe de tournage de gueules d'argile. Agglomérat d'argile, une énorme portion d'argile anthropomorphique provenant de gueules d'argile. Puis, plus il assemble de morceaux d'argile, plus son avatar devient puissant et intelligent. Et puis, bah, ça, du coup, c'est le garde d'argile. Gueule d'argile est toujours en vie. On dirait qu'il s'est divisé en entités d'argile qui causent des problèmes en ville. Nous analysons des échantillons qui devraient nous mener à lui. Mise à jour, Gueule d'argile essaye de faire un film sur sa dernière rencontre avec Batman, racontant l'histoire à sa sauce pour faire de Batman une sorte de méchant monstrueux. Nous avons détruit le plateau, mais il s'est enfui avant qu'on puisse l'arrêter pour de bon. Régulateur associé à Mr. Freeze. Ouais, bon, c'est les mêmes. Juste un design un petit peu différent. Puis lui, par exemple, il utilise des armes à feu de gel. La différence, quoi. Équipement. Je peux fabriquer une arme de corps à corps. Voilà. Pardon. Du coup, on va regarder le dossier. Mr. Freeze. Rendez-vous au beffroi. Déjà de retour, mademoiselle Gordon. Il faut qu'on trouve le cryogène. Et qu'on arrête Freeze. Il a tué ce scientifique. Juste pour nous narguer. Ensuite, il a pris la fuite. Il est vénère. La faute de Batman. Bruce lui a promis un remède pour sa maladie. Et en échange, Freeze devait rester sage. Mais maintenant que Bruce est parti, il remet ça. Ça avance, Tim ? À voir la liste des articles volés, je pense qu'il va améliorer son exosquelette. Et ça, c'est que le début. Il a aussi téléchargé les données météo locales des ballons-sondes des 10 dernières années. Il faut qu'on retourne là-bas et qu'on arrête Freeze avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. On se détend. On va l'avoir. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai programmé le bat-ordinateur pour chercher les fortes concentrations de cryogèle dans la ville. En attendant, on devrait surveiller ceux qui travaillent pour Freeze. Et ce sera pas dur, vu qu'ils filent des cryoguns à tous ces larbins. Alors, nouveau crime prémédité. Ouais, qu'est-ce qu'on a dans le dossier ? Mr. Freeze. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Normalement, ça devrait mettre 1.1 au début, mais ça a laissé 2 points d'interrogation. Déjouer des crimes. Ok. Mr. Freeze s'est allié au régulateur et leur a donné des armes cryogéniques. La télé avant qu'ils puissent tester leur équipement sur des innocents citoyens. Criminel, ok. Pactage. C'est de la merde. Voilà. Le docteur Victor Free. Ouais, puis du coup, j'avais dit la précédente session que je regarderais par rapport au contrat, là, l'émission de contrat. S'ils avaient une fin en fait, mais j'ai pas réussi à trouver l'info, donc je vais simplement arrêter de les faire parce que pour l'instant ça sert pas à grand chose. C'est pour récupérer des équipements, mais j'en récupère aussi en faisant les courses, en faisant les missions. Est-ce qu'il y a des crimes particuliers ? Action paria, régulateur paria.
Faire ça. Espérons que ce soit les bons régulateurs. Mille ennemis avec des attaques parfaites, réaliser des attaques silencieuses. Je peux régler ça en personne. Ça a l'air d'être des ennemis, Mr. Fit. Attention, bougez de pierre. Elle ne vient pas pour elle. A changé d'axe de tir au dernier moment. C'est le moment où je te tue. Ça me saoule ces contre-attaques là, elles marchent pas dingue. Les attaques parfaites de merde là, par moment elles fonctionnent pas quoi. Voilà. Une esquive, j'appuie sur la touche pour qu'elle fasse une attaque parfaite. Bah, elle fait une attaque classique. T'avais aucune chance. Je suis désolée. Non, je crois qu'ils reviendront pas. C'était moins une. Alors, j'ai fini les trucs de mon nettoyage, quoi. Je ferais bien de filer. Quoique... Ah non, c'est les trucs de Dr. Tompkins que j'ai fait. Alors, Mafia... Paria... 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 Régulateur. Patrouille près de Hemlock et Shelly. Il y a un braquage en cours. Désolé,
Plus ils sont gros, plus voilà, ça c'est fait. On est près des lieux centrales. Il faut que je parte d'ici. Bon, où est-ce que c'est ? Mieux vaut rester hors de vue. J'aime pas trop ça. Ok, c'est bon. Je dois vite mettre ça au frais. Mais froid ? Le docteur Tompkins vous rejoindra. J'envoie les coordonnées. Sachez que si vous y renoncez, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous dans un tribunal. Soyons clairs, vous avez droit à un avocat. C'est fini pour toi. Voilà, parfait. Je ne sais pas à quel point ce sera utile. Je vous en prie, rentrez chez vous. Alors, du coup, on en est où ? Je vais aller dans ce quartier, comme ça je vais parler aux différents persos vite fait. Bon sang, on ne peut même plus être tranquille sur son propre toit. Merde, j'avais pas besoin de ça ce soir. J'ai vu qu'il y avait un crime pas très loin.
c'est de la mafia encore. C'est pas vrai. Bad girl, au rapport. Merci, Valérie. Je m'appelle Toshio, ou Monsieur Mishima pour mes élèves. Vous êtes professeur. Oui, au lycée. Deux jours, en tout cas. Je fais agent de sécurité la nuit, ici. Et vous faites partie du guet. Vous devez avoir besoin de vacances. Je parie que vous aussi. J'ai pris ce boulot en plus pour aider mes élèves. Pour acheter des fournitures à ceux qui n'en ont pas. Je veux que les enfants grandissent et apprennent en sécurité. On peut faire ça. Comment je peux vous aider ? Merci. Alors, sauver des citoyens en danger dans le nouveau Gotham et déjouer des crimes dans le nouveau Gotham. C'est un peu relou de trouver les crimes là avec les régulateurs. Tenez-moi au point. Vas-y, montre à ce loser qui domine cette ville. Quoi ? C'était censé faire mal ? Quelque chose qui... Qu'est-ce qui se passe? C'est fini pour toi. Ça suffit, il est temps d'en. Allez, accouche. Calme-toi. Je vais parler. Merci, j'apprécie. De mafieux. Ah bah super, c'est celui-là qui est apparu. C'est que... Oh ! Tu veux qu'on se fasse choper ou quoi ? Ouais, j'ai presque fini. Allez, parle. Je vais te dire ce que je sais. Merci pour l'info. Un crime de mafieux. Ouais, après c'est peut-être parce que justement je suis pas dans une zone où il y a des... merde. Il y a des régulateurs. Je crois que c'est considéré comme le nouveau Gotham aussi. On va aller faire ça. Ouais, c'est un peu relou ce principe de nous forcer à faire des crimes de certaines factions alors qu'elles apparaissent pas. C'est un peu relou. Mais c'est Gotham. Agent 2
sur place. Ferme ta bouche ou je te la ferai fermer. Ouvre l'œil, c'est pas de gueule. À couvert, je tire. Oui, il est censé avoir des régulateurs aussi ici. En plus, il faut que je cours. Grouille, on a pas toute la nuit. C'est tout ce que je voulais entendre. Il a paru où son truc là ? Ah. C'est une nana des régulateurs et en fait ça m'a même pas déverrouillé un truc des régulateurs. Magnifique. Non, ça me saoule. Un abri de criminel est identifié. On va faire ça. Ouais, puis après, du coup, ce que je ferai, je retournerai au beffroi pour refaire la parade des crimes. Hein, parce que... Mademoiselle.
J'aurais dû abandonner. La laissez pas filer. On aime. La laissez pas s'échapper. Voilà, parfait. Ils ont toujours pas compris. Du coup, non, pardon. Au niveau du défi du game, sauver des citoyens en danger dans le nouveau Gotham. Du coup, faudrait que je trouve ça. Allez, c'est parti. Téléphone. Merde, ils prennent le dessus. Ça te rase
souvenir. On t'a déjà dit que t'avais les mains super douces. Écoute, on est potes. Le dilaton. Merci bien. Du coup, j'ai pas sauvé un citoyen là. La blague. Putain, c'est vraiment de la merde. Sauver des citoyens en danger. Bah ouais, bah c'est ce que je viens de faire, hein, les mecs. Apparemment, ça compte pas, quoi. Retrouver le témoin. On va essayer de faire ça. Ouais, puis après, j'abandonne. Hein. Je vais retourner au beffroi pour recharger de nouveaux crimes. Le truc du gay, bah on verra ça plus tard. Hey, on s'en occupe. Je l'aurais pas dit. Je j'en reviens pas. La laissez pas tomber. Bougez-vous. Craignez plus rien. Ça alors, c'est vraiment vous ? Ouais. Bon bah voilà, j'ai essayé de sauver quelqu'un, mais ça marche pas. Magnifique. Il faut que je bouge. Ça va prendre encore longtemps ? Quelqu'un se fout de moi ? Je vois pas de cœur et je suis carrément prêt à tiens.
Bon, allez, on retourne au beffroi. Ça m'est saoulé. Perdu assez de temps là, essayer de trouver des civils à sauver. Le pire, c'est que quand j'en ai trouvé un, ça n'a pas marché. Donc, magnifique. Alors, le gay, ça m'a marqué quoi? La mission, elle était annulée du coup, la mission du gay. Bah ouais, la blague. Ah donc, du coup, quand on finit pas la mission et qu'on retourne au beffroi, ça la réinitialise. Scientifique devenu super vilain et connu sous le nom de Mr. Freeze, revendique le cambriolage nocturne. Bref. Selon les régulateurs, il y a deux trucs. Et il faut que j'en fasse encore combien? Bah, deux. J'espère que si j'ai pas de nouveaux équipements. De la merde. De la merde. Et de la merde. Alors, ils sont où ces crimes des régulateurs? Juste à côté. Ah bah parfait. Tous les deux à côté de l'autre. Silencieuse et les phares aussi sur l'autre. Le système est à moi. Il nous faut les informations de compte, les réseaux, tout ce que tu peux trouver, d'accord? Putain, mais pourquoi tu sautes dans le vide là? Je te demandais juste de descendre. Putain, me saoule. Il monte là. Putain, vraiment, soit elle veut pas monter, soit elle descend pas correctement. C'est l'heure de la sieste pour toi. C'est pas des régulateurs de mes surprises.
plans obsolètes ont été supprimés de notre inventaire. Je te déconseille de faire ça. J'ai à peine transpiré. Voilà, défi terminé, une soirée de travail. C'est pas le truc à demi surfé ça. Oui, je voulais regarder les capacités, j'ai gagné un peu de points. Là, ça c'est quoi? Efficacité des packs. Ouais, allez. Que dalle de dégâts quand je l'envoie. Voilà, parfait. Derrière le masque. Bien. Je sais que vous n'avez pas confiance, mais je vous le promets, on est les gentils. Alors, Mr. Freeze, on est en beffroi. C'est un plaisir de vous revoir, Mademoiselle Gordon. Alors, est-ce qu'il y a des trucs de mieux ? Non. Non. Ouais, bon, bah allez, on est parti. J'ai dit le dossier de Mr. Freeze.
plein d'ennemis. La nuit est fraîche. Ouais, c'est ça. C'était quoi? Sont super faibles. Voilà. D'autres régulateurs doivent être à l'intérieur. Il est temps de découvrir ce qu'ils cherchent. Labo Quartz. Labo Quartz sont spécialisés dans l'ingénierie, l'installation et le test de systèmes de sécurité commerciaux. Ils ont offert leurs services à de nombreuses entreprises de Gotham City, dont la banque Star City ou Stag Industries. Les Labo Quartz voulaient ajouter WayneTech à leur clientèle, mais j'ai refusé leur offre, nos systèmes étant déjà presque inviolables grâce à Lucius. Ils ont connu un développement important de leur activité dans les années 2000, quand le taux de criminalité s'est envolé et que les infrastructures informatiques sont devenues des cibles plus prisées. Les labos Quartz, qui se trouvent dans les quartiers financiers, sont équipés de chambres blindées pour éprouver leur matériel contre les intrusions à distance et les impulsions électromagnétiques. Leur installation ressemble beaucoup à ce que Lucius et moi utilisions pour tester les nouveaux équipements de Batman. Ouais, bon, ça c'est juste des nouveaux persos. Ah, c'est fait. Et hop, on trouve comment entrer dans le labo. Mieux de rester hors de vue. Encore un labo? Je me demande ce que Freeze prépare. Donc Freeze a construit sa machine ici? Cool, pas vrai? Et on peut prendre tout ce qu'on veut? Ouais. Faites beau rêve. J'entends des coups. Il y a un survivant là-dedans. Quelqu'un a vraiment voulu renforcer cette porte. Je sais pas ce qu'il garde ici, mais apparemment, ça vaut le coup d'être protégé. Trouver un moyen d'ouvrir la porte du coffre. Scientifique. Ils l'ont tué. Pourquoi il voulait atteindre la console ?
qu'il y avait dans ce labo devait être très important. La carte d'identité trouvée sur le corps indique Dr. Theodore Upshot, chef de la recherche cryogénique. Victor a fait ce qu'il a fait, malgré les dangers. Je peux très bien dire que je n'ai fait que l'aider, mais en vérité, je l'ai aidé. Je suis coupable. La machine que nous avons créée est instable. J'ai insisté pour avoir un plan B. Un brouilleur au cas où Victor voudrait jouer les dieux avec la machine. Victor s'est énervé pour le brouilleur. Il a demandé si j'avais perdu la foi. J'ai caché l'appareil au lieu de le détruire, car j'ai peur de lui et du potentiel de ce que nous avons créé. Si vous écoutez ceci, pitié, pardonnez-moi. Le plan détruit de machine construite par Mr. Freeze et les scientifiques de Labo Quartz. Les schémas sont trop endommagés pour être analysés. Chercher des indices dans le coffre. Et il y a le troisième indice. Si c'est dans le coffre, ça veut dire que c'est là-dedans. Hein. Voilà. Carnet de notes. Le plan B est prêt. Il a caché une sorte de plan B dans son bureau. Ça vaut un coup d'œil. Si Fry's découvre son existence, je suis mort. Mais après avoir vu le potentiel de sa machine, son potentiel de destruction est bien trop grand. J'ai caché le plan B dans mon bureau, à l'endroit habituel. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais je doute que Fry's abandonne ses plans aussi facilement. Alors, bon, il est où son bureau ? Trouvons son bureau. Je parie que le plan B est toujours par là. Ah. Un faux plancher ? C'est mon secret. Beffroi, on dirait que le scientifique qui a construit la machine de Freeze a aussi construit un brouilleur. Ça nous sera utile pour l'arrêter. Je le ramène. Bravo, nous vous attendons au beffroi. Yes, ah bah voilà, automatique. Je vais me téléporter, mais pas besoin. Dossier, donc le beau quartz c'est fini. Faction. Bagarreur vétéran. Équipe. Fabrication, est-ce qu'on a des trucs mieux? Non. Mr. Freeze, parlez à Alfred. Gotham City congelé. Ah, nouveau message reçu. De Barbara Gordon à Jason Todd. Si tu aimes la saga des Commanders, tu devrais aimer l'Intarissable. C'est une saga sur 5 livres maintenant, donc ça devrait t'occuper un petit moment. Ça parle d'un frère et d'une sœur qui doivent veiller l'un sur l'autre après que leur vaisseau se soit crashé sur une planète abandonnée, tuant leurs parents sur le coup. Ça commence un peu comme une histoire de survie SF et après, en fait, tu sais quoi, lis les bouquins. Je voudrais pas gâcher la surprise. IA de Tim Drake à Barbara Gordon. J'ai décidé de m'inscrire à un cours sur l'intelligence artificielle le week-end, mais la liste de lecture me semble un peu basique. Tu pourrais y jeter un coup d'œil et me dire si je perds mon temps. L'apprentissage automatique de vous, l'intelligence artificielle, éthique véritable,
parti pris dans l'apprentissage de l'intelligence artificielle, la machine émotionnelle. Okay. Avez-vous trouvé quelque chose sur Mr. Freeze dans les labos Quartz? Non, mais au moins on a le brouilleur. Je sais pas ce que Freeze a prévu, mais il voulait tuer le Dr. Upshot pour le garder secret. Si on découvre ce que Freeze a pris dans le labo, on aura une meilleure idée de ce qui nous attend. Tu dis le dossier de Mr. Freeze. Il doit être là-dessus. Ça doit être c'est le truc du milieu. Alors, renseignement pour son docteur Theodore Upshot, chef de la recherche cryogénique au labo Quartz, dirigeait les scientifiques qui ont été contraints de construire la machine de Mr. Freeze. Nous ne savons pas ce que c'est, mais de la façon dont elle a été conçue la rend impossible à analyser. Mr. Freeze a obligé les scientifiques à lui construire une puissante machine, mais avec un peu de chance, le brouilleur fabriqué par Upshot serait-il. Freeze a obligé quelques scientifiques des laboratoires. Il redit un peu la même chose. Malheureusement, il a tué tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Les plans que nous avons trouvés sont bien trop complexes pour qu'on puisse les déchiffrer. Donc nous ne savons pas de quoi est capable cette machine. Le docteur Upshot a fabriqué en secret un brouilleur qui pourrait l'arrêter, mais il y a une sécurité dans sa programmation qui nous empêche de le démonter pour l'étudier. Tout ce que nous pouvons faire, c'est croiser les doigts pour qu'il soit assez puissant pour arrêter la machine de Mr. Freeze, quel que soit son but. Bah voilà. C'est pas ça qu'il fallait faire. Bah non, fallait juste lancer ça en fait. J'ai pas vu. On a une dizaine de victimes congelées sur place. Envoyez des secours immédiatement. À toutes les unités, fusillade en cours au centre Elliott. Accident multiple, trop nombreux. Ah, beffroi gèle aussi. Et on va parler d'une période glaciaire. Faites attention, intempéries extrêmes dans la zone. La température a chuté de 15 degrés en quelques minutes. Un front d'air froid intense? Non, ça fonctionne pas comme ça. Pas sans un coup de pouce. Freeze. Freeze peut changer la météo? Freeze peut changer la météo. La tempête est localisée autour du centre Elliott. On doit tout de suite y aller. Allez, c'est parti. Moi, je pense que c'est la dernière partie de sa mission. J'ai vu en fait que niveau de difficulté, en fait, ça a augmenté d'un coup là pour la dernière partie. Il y a des chances que ce soit la dernière partie de la mission. C'était pareil quand on avait fait la mission d'Harley en fait. La dernière partie était les ennemis, le niveau requis était plus élevé en fait. Mais bah, gelé. Fait froid. Le centre Elliott est piégé dans la glace. La source du problème est située sur le toit. C'est sûr que c'est Freeze. Je vais me rapprocher. Près du centre Elliott, appui aérien en route. Le GCPD peut pas gérer ça seul. C'est bien pour ça que t'es là, non? Quoi d'envoyer de la fumée là quand je lance ça? Je vais continuer à me voir. Attention.
Il me voit encore, mais c'est, ça sert à quoi de balancer cette putain de fumée là? Mes amis continuent à me voir même quand je l'utilise. Se renforce. Je vous recommande de vite trouver un accès au centre Elliot. Je crois qu'on peut remercier l'hélico du GCPD. Instable. Bien sûr. Faut atteindre la machine météo. Dépêche-toi. Casser le pont, mon ami. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Oh putain, une blague de glace. Et bah voilà, on est à terre. C'est ce que je voulais faire. Tout était calculé. Il y avait encore des visites en cours quand Freeze est arrivé. Ils sont morts sur le coup. Regardez partout.
Ouais, c'est ça, là. Comment elle a fait pour me voir là, cette blague en fait. Tu vas descendre là, tu fais ce que je te demande là ou quoi? Putain. Vraiment du mal hein. Ouais, du coup on peut même pas faire une exécution silencieuse quand on les surprend au bord. Enfin, au moins Batman il était capable de le faire. Il se collait à l'angle du mur et puis quand l'ennemi arrivait on le chopait quoi. Ouais, il leur a pas bien transmis son savoir. Voilà, parfait. Ça c'est fait. On va pouvoir enchaîner les autres maintenant. Repose-toi. Allez, fais dodo maintenant. Tu veux vraiment grimper tous ces escaliers? Ces câbles au sol. Je parie qu'ils mènent vers Freeze. Et toi, quelle est la situation? Nombreuses victimes et température en baisse. Il faut qu'on l'arrête. Vite! Éloignez-vous de mon générateur de tempête. T'as pas trouvé mieux comme nom? Tu devrais vraiment t'éloigner de ce toit. Avant que le brouilleur s'active, fais-moi confiance. Peu importe. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Une tempête s'est levée sur Gotham. Et rien ne pourra l'arrêter. L'avenir nous le dira. Le froid t'emportera. Moi, je fais des attaques de chaleur.
que j'ai pas très bien. Batman m'a promis un antidote. Il aurait dû tenir sa promesse. Batman est parti. Mais il voulait que c'était. J'ai trouvé une autre méthode. Une méthode qui repose sur le chaos. Le brouilleur va tout surcharger. Et votre combinaison aussi. Qui ose me provoquer? J'essaie de vous prévenir. Laisse le froid t'envahir. Le froid te brisera. Vraiment pas mes attaques de chaleur. Bah après, en même temps, je suis relativement puissant par rapport à ce niveau. Peu de temps avant son déclenchement. Regarde, Gotham sans Batman. Un désastre, une cause perdue. Oui. Ok. Succombe au froid. Attendre que la fosse se termine. Une ère glaciaire se profile. Je détruirai cette ville. Il est temps d'en finir. Tu as déjà perdu. Gotham est condamné. Une sécurité. Ok, préparez-vous. Réinitialisation système réussi. Flux du cryogène activé. Freeze, est-ce que vous m'entendez? Il fallait me laisser mourir. Ça aurait été bien plus simple pour vous. Voilà. Direction Blackgate. Laissez mourir. Mais ça ressemblait à une menace. Victor a toujours eu le potentiel de semer le chaos à Gotham. Jusqu'à ce soir, une once d'humanité l'en empêchait. Et maintenant, eh bien, on remplace son humanité. Et ben voilà, parfait. On a pu torcher toutes les missions de Mr. Freeze. Ouais, puis bah du coup, prochaine session, on repartira sur la quête principale. Hein. Content de vous revoir, Mademoiselle Gordon. Juste regarder vite fait ça, c'est terminé.
Gotham City, Centre Elliott, la construction de Centre Elliott a officiellement été achevée en 1937. Gotham City se remettait toujours de la Grande Dépression et l'ouverture d'un nouveau média orienté sur le monde des affaires entraîna la création de milliers de nouveaux emplois. En tant que conglomérat des médias, les Elliott possèdent une quantité presque illimitée d'informations, non seulement sur Gotham City, mais aussi sur ses habitants. C'est ce qui les rend potentiellement dangereux. Avec l'essor rapide des nouvelles technologies et du suivi de l'empreinte numérique, j'ai dû garder un œil attentif sur les informations qu'ils recueillent afin que nos identités ne soient pas compromises. Heureusement, il suffit généralement de rentrer discrètement dans tous leurs serveurs pour modifier toute information potentiellement dangereuse qu'ils pourraient acquérir. Ok, fabrication, est-ce qu'on a une nouvelle tenue meilleure? Non. Nouvelle arme, non. Les modes, on en a un gros paquet. Peut-être que je pense à les fusionner aussi un jour. Dossier, Mr. Freeze. Il reste un truc. Parlez à Alfred, d'accord. Ouais, on s'en fout. Votre citation inspirante du jour. Il n'y a que peu de différence entre une forteresse et une prison. On peut facilement les intervertir. Ok. Alors, il est où, Alfred? Est-ce qu'il allait se cacher encore? La température s'est effondrée à Gotham avec la... Oh putain, mais c'est chiant, faut vraiment être pile en face, là. Voilà. On est trop près, ça marche pas non plus. En prison, ces armes cryo sèment toujours le chaos dans les rues. Il en faudra beaucoup plus pour que les régulateurs renoncent à cette technologie impressionnante. Il faut qu'on détruise les stocks qui leur restent. Mais d'abord, on doit trouver où ils les planquent. Il serait temps de discuter avec nos amis régulateurs dans ce cas. Vous êtes télépathe. Ok, terminer les défis de Mr. Freeze. Interroger les régulateurs. Ah, donc du coup, en fait, c'est pas tout à fait fini. Ouais. Bon, il reste encore un peu de temps. On va aller se faire ça vite fait. On va voir si j'ai le temps après de détruire les... comment ça s'appelle ? Bah, les stocks. J'aurais bien voulu tout terminer sur cette session. On s'en débarrasser. Mais malheureusement, il reste encore un truc. Alerte du bat ordinateur, carte mise à jour. Bon, du coup, il faut que je repère. C'est lui que je dois interroger. Saoule à faire des bonds aussi longs sans aucune raison. Je suis juste... Ah,
c'est génial. Du coup, il n'y en a pas interrogé. Hein. C'est bien ça qu'il faut faire. Interroger un régulateur. Il a fallu que je trouve le seul crime où il n'y a personne pour interroger. Tu vas écouter la part. Voilà. Non, putain. Ça a quand même marché, hein. Même s'ils ont détruit la porte. Sécurisé, d'accord. Bon allez, il faut trouver un régulateur là, interroger, fait chier. Un tireur de la mafia. Ça me casse les couilles. Démanteler le bastion. De vos bastions criminels. Quel lobo. Bon allez, on va terminer ça. Je pense que ça termine. Des caisses et mini faire des éliminations grâce à l'environnement marqué des ennemis. Ah, y a un peu de monde. Laissez monter sur le toit avec lui, il serait pas en prison.
Peut-être qu'on partagerait une cellule. T'accordes beaucoup trop de crédit à ces héros. Et toi, tu leur en accordes pas assez. Faut que j'aille voir ce que c'est. Voilà, quand même. J'ai pas peur de toi, ma gueule. Tous organisés par les régulateurs. Plusieurs braquages en une nuit? Ils doivent préparer quelque chose. Envoyez-moi les coordonnées, Beffroi. Je m'en occupe. Ouais, et ben voilà, bah du coup apparemment c'est toujours pas fini, les trucs de Mr. Freeze. On va aller terminer les braquages à main, mais... Allez, on va essayer de les faire vite fait. Ils sont tes braquages. Voilà. J'ai détruit leur stock normalement, donc on devrait plus en avoir d'autres une fois qu'on a éliminé eux. En plus fournir un truc cryogénique. Voilà, ça c'est fait. Next. Je dois me mettre en sécurité. Pour un moment, ça se m'a ramé là, le jeu. Mais vous me saoulez là! Oh, j'essaie de lancer une attaque. Oh.
les deux ennemis en même temps. Ouais. Okay. Ah bah si ça marchait. Vraiment pas exprès. Mais putain, mais tu me saoules toi, vieux vétéran. Allez là, putain, je veux taper l'autre avec son sac là. Non. Voilà. Tiens, dans ta gueule, enfoiré. Les régulateurs préparent un gros coup. La machine météo de Freeze a fait assez de dégâts. Peut-être que Freeze sait ce que mijote ses bons vieux associés. Ouais, d'accord. Bon bah du coup c'est toujours pas fini. J'hallucine. Je vais retourner au beffroi. Ouais, bon bah du coup, je vais retourner au beffroi. Et je vais arrêter là. Merde, il y a plus mal. On finira du coup à début de prochaine session, et puis après on enchaînera avec le quête annexe, quête principale, pardon. Parce que là, malheureusement, j'ai plus vraiment le temps. J'espère que vous n'avez rien, cette fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire ? Ouais, faut lancer le dossier à partir d'ici. Ouais, bon bah du coup, on fera ça la prochaine fois. On terminera, et puis après, quête principale. Et puis voilà, bref, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle session vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis bah du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure sur Gotham Knights. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao.